Tu as pris ta langue. Est-ce que tu as volé avaler toute la salle? Oh, doucement, les gens vont disparaître. Puis partager l'action de Dieu, n'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Oui. C'est ce que tu veux dire? Donc, toi-même, on dit, mais un monsieur, il attaque sorcier, et toi, tu viens tester ça. Hein? Tu vas chez un musulman? Non, c'est pas un musulman. Ah, mais tu es venu tester ça. Comment? Il est capable de détecter une bénédiction, il la détruit. C'est pour ça que nous sommes en danger. Quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu es en danger. Tu ne comprends pas, dès que tu rentres, les choses commencent à changer dans ta vie. Au contraire, tu injectes une maladie. Vous avez vécu avec un monsieur sans le connaître. Je décris ton pouvoir au nom de Jésus. La puissance de Dieu détruit ton pouvoir. Je détruis ton pouvoir. Je détruis ton pouvoir. Je détruis ton pouvoir. Je détruis ton pouvoir. Comment? Le feu du Saint-Esprit. Viens, ma fille, viens. Une très belle femme. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Et tu manges cette tronc, la sauce guimbrée, accompagnée de placalis. Je suis en train de préparer les choses. On va se rencontrer, lui et moi. Les choses vont changer. On va détruire les yeux, les regards. Tout détruit dans le royaume de la sorcellerie. Amen. C'est comme ça. Il est sorti dans ta maison, la chose là, tu jettes. C'est du sel consacré. On fait ça une seule fois. On ne fait pas comme tu vas jeter. Il est sorti, il va parler. Si le village il tombe, ton pharaon, la chute le fait tomber. Il a fait la mort de Saïd pour que David prenne le trône. Il a libéré son ventre au nom de Jésus. Je vous ai très bien dit, avant de me marier, prends quelqu'un. Ah, comment on peut savoir? Hein? Madame, ça va? Je t'aime, tu le suis. Sors guimlé. Placali. On met guimlé la sorte graine aussi.
Tu viens de manger. La puissance de Dieu te libère. Ouais, je libère ton ventre. Ouais. Je libère ton ventre. Je libère ton ventre. Parce que le miracle de Jésus-Christ, Jésus délivre ton ventre. Jésus te délivre. Il libère ton ventre maintenant. Ils ont ce pouvoir, la grippe, ils regardent, n'est-ce pas? Ils t'attaquent. Il peut vous séduire au travers des regards. Vous envoûter, je préfère l'envoûtement au travers des regards. Un sorcier peut vous envoûter. Sur ça, n'oubliez pas la prière de 4 heures du matin et cherchez à vous faire consacrer. Amen. Toute âme forgée contre moi. Merci.